Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau studio vlog. Studio vlog un peu particulier puisque je vais vous révéler les dessous de ma petite vie d'entrepreneur. Puisque normalement vous me connaissez en tant qu'artisane créatrice de bijoux. Mais ce n'est pas ma seule activité et donc je vais vous révéler tout ça dans ce vlog. Aujourd'hui en fait ça va être justement une journée un petit peu mixte entre la fabrication de bijoux et mon autre activité, mon autre projet. Je viens de fermer sur mon site internet en fait les commandes de bijoux puisque j'avais une vente éphémère qui durait ce week-end. Là en fait on est lundi donc ce week-end il y a eu une vente éphémère. Ça n'a pas été une grosse vente, c'est vraiment une toute petite vente. J'avais réouvert parce qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas pu acheter lors de la dernière vente éphémère. Donc du coup je m'étais dit que j'allais refaire une petite vente pour juillet, mais j'ai vraiment trois fois rien à faire. Voilà, c'était vraiment juste histoire de réouvrir pour satisfaire les quelques personnes qui m'avaient envoyé un message. Voilà, et bon après je sais qu'en temps d'été généralement les gens voilà ils partent en vacances, ils font plein d'autres petites emplettes, mais c'est pas forcément des bijoux qu'ils ont envie d'acheter. En tous les cas, je vais fabriquer du coup les quelques petites choses que je dois faire partir demain à la poste. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis en fait, quelle est mon autre activité? Donc je vais vous parler un petit peu de ce projet aujourd'hui parce que ça me tenait en fait à cœur de vous parler de ça. J'ai fait un live la semaine dernière pour justement parler un petit peu de mon quotidien et un petit peu de ma vie, de ce qui se cache, je vais arriver, dans les coulisses. Et justement on me demandait en fait si je faisais juste ça comme activité. Non, je ne fais pas que ça comme activité, mais ce n'est pas non plus mon souhait. En fait je suis quelqu'un de vraiment multiple, j'aime faire plein de choses différentes et mon souhait c'est pas forcément de faire des bijoux à temps plein. En fait je partage mon temps donc entre le coaching d'entrepreneurs sur le marketing digital, mes bijoux et ce fameux gros autre projet. En fait j'étais formée à l'entrepreneuriat, au marketing et à la communication. Et j'ai travaillé un petit peu dans le domaine du numérique, des startups, et j'avais envie de quitter ce monde-là et de plutôt me rapprocher du domaine de l'artisanat, de faire des choses de mes mains, etc. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma marque de bijoux et que je vais continuer à faire des bijoux de mes mains parce que j'adore ça. Mais tout au long de mon petit chemin et de mon expérience, j'ai rencontré pas mal de créatrices en galère et en fait je me suis rendu compte notamment avec le Covid que j'avais beaucoup de copines créatrices qui galéraient vraiment à vendre en ligne, qui pourtant avaient des beaux produits, voilà, ça allait faire des belles photos, voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un peu tous les ingrédients réunis mais elles galèrent à vendre en ligne. Et comme il n'y a plus les marchés de créateurs, il n'y avait plus toutes ces choses là, les boutiques elles n'achetaient plus non plus parce qu'elles ont été fermées pendant quand même un sacré bout de temps. Je me suis dit que j'ai vraiment envie d'aider des gens qui font des créations de leurs mains comme moi. Donc ce projet a un petit peu mûri dans ma tête. Et là ça fait à peu près 2 mois je dirais que je suis à fond sur ce projet là. Mon objectif aujourd'hui c'est d'aider les créatrices qui font des choses de leurs mains à vendre leur création en ligne.
parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à leur apporter. J'ai pas mal de connaissances en marketing digital pour voilà, les aider à développer justement leur vente en ligne. J'ai mon expérience aussi, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai plein de choses qui n'ont pas marché, d'autres choses qui ont vraiment très bien marché. Donc voilà, j'ai envie de partager un petit peu tout ça. Donc je suis en train de travailler sur une formation, je suis en train de créer une formation justement pour aider les créatrices. Donc si vous êtes créatrice, ça va probablement vous intéresser. De la création d'une collection à la vente d'une collection, de passer un peu par toutes les étapes et du coup de donner des conseils, de donner les bonnes pratiques, comment fonctionnent les outils, une stratégie, vraiment une méthode pas à pas pour vendre ses créations en ligne. Voilà, et donc je suis en train de travailler là-dessus. J'ai aussi lancé du coup mon compte Instagram lié à mon nom en fait personnel, Marion Guittier. Le compte Instagram est disponible pour aller voir justement là plutôt pour les créatrices tous les conseils que je peux donner, qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça et partager un peu voilà toutes nos expériences. Et du coup je relierai les informations sur ce compte Instagram. Et je vais lancer aussi mon podcast pour justement parler un peu des coulisses, raconter ma vie et puis justement voilà, parler un petit peu de tout ce qui, de toutes les difficultés auxquelles on peut être rencontré en tant que créatrice, de comment se passe la vente en ligne, de tout ce qui tourne autour de la vente en ligne, des créations, de la visibilité, etc. Donc voilà, donc j'ai ce gros projet là. Sur le mois d'août, je vais beaucoup travailler là-dessus parce que l'objectif c'est que je sorte justement cette formation en septembre. Donc si vous êtes une créatrice et que vous passez par là, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram Marion Guittier et à rester connecté par ici parce que je vais avoir du coup pas mal de choses qui vont sortir je pense en septembre, octobre. Septembre il y aura une bêta test de la formation, après mon podcast je sais pas exactement quand il sortira mais ce sera avant la fin d'année. Voilà, donc pas mal de choses et donc c'est voilà, c'était quelque chose que je voulais communiquer, je voulais vous expliquer un petit peu tout ça parce que je ne suis pas que créatrice de bijoux, j'ai aussi d'autres cordes à mon arc et c'est justement le fait d'avoir en fait pas mal d'activités et des activités assez différentes. C'est vraiment très différent de faire des choses de ses mains et de créer des formations en ligne, c'est quand même deux mondes à part, mais c'est des choses qui m'intéressent. J'adore faire des choses différentes au quotidien et c'était aussi pour montrer que c'est possible, c'est totalement possible de faire des activités différentes et moi c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais aujourd'hui et voilà, c'est vraiment le côté riche de mon quotidien. Bref, fini de parler de tout ça. Aujourd'hui, je vais fabriquer du coup les quelques bijoux que j'ai à fabriquer pour les envoyer à la poste demain. Je vais du coup travailler sur mes formations, ma formation, je suis en train de chercher le nom, etc. Voilà, je suis dans pas mal de choses, des étapes un petit peu sympas à faire, de construire sa formation et tout ça. Donc bref, je vous emmène avec moi et je vous montre un petit peu tout ça. Thank you.
fabriquer tous les bijoux. Donc là du coup je vais passer sur ma deuxième activité qui est le projet dont je vous parlais ce matin. Il est déjà 17h. J'ai passé pas mal de temps en fait sur la fabrication. C'est vrai que même quand on n'a pas énormément de choses à fabriquer, ça prend pas mal de temps parce que il faut en fait faire toutes les étapes de fabrication depuis le début pour chaque bijou. Donc c'est pour ça aussi que je fais des ventes éphémères, parce que ça me permet de regrouper les temps de fabrication et du coup de fabriquer entre guillemets à la chaîne, puisque c'est pas les mêmes bijoux à chaque fois, donc je fais pas le même bijou à la chaîne, mais je fais de la fabrication toute la journée sur une ou deux journées en fonction de ce que j'ai vendu aux ventes éphémères. Donc c'est aussi pour ça que j'avais mis en place les ventes éphémères. Oh là, ça m'a pris quand même pas mal de temps, surtout qu'après il faut mettre dans les packaging, faire les petits packaging, etc. Donc là on va passer sur mon autre projet, donc mon projet de formation. Hier j'étais en train de chercher un nom, normalement j'ai trouvé. Après c'est pas sûr que ce soit disponible, donc je sais pas si je vais le garder. Mais bon, en tout cas je vais avancer dans les cours parce que en fait oui, pour vous expliquer, j'ai acheté moi-même une formation pour me former à vous proposer une formation. En gros, ça me permet de voir déjà comment peut se construire une formation, parce que moi-même je suis cliente d'une formation, donc je vois à quoi ça ressemble. C'est un ensemble de cours, de vidéos, d'exercices, de templates. Il y a aussi une communauté sur Discord où on peut discuter, etc. Donc bref, ça me permet de voir un petit peu ce qui a été fait dans cette formation-là. Et en même temps, du coup, ça me forme étape par étape pour construire une formation qui réponde vraiment aux besoins des créatrices. Et voilà, que ce soit pas une formation complètement inutile où j'ai mis des choses que je pensais être bien dedans mais qui en fait ne sont pas utiles pour les créatrices. Du coup, je vais avancer, je pense, un petit peu là sur les modules de la formation. Et voilà, on verra un petit peu ce que je vais faire après. Déjà, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. En fait, j'ai changé de lieu parce qu'il fait beau dehors, donc on va en profiter. Je vais déballer avec vous l'oracle que j'ai viens d'acheter. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. Alors en fait, c'est un oracle vintage, c'est-à-dire que c'est vraiment de la seconde main en fait. Et pourquoi j'ai acheté vintage? Parce que c'est un oracle qui est très vieux. Alors il a été édité, je crois, dans les années 1900, je ne sais plus exactement combien. Et en fait, il est très rare à trouver et il coûte quand même un petit montant. Mais je sais pas, je savais tout de suite que c'était lui qu'il me fallait. Oh! En plus, j'ai un joli petit paquet. Il est trop beau. Waouh. Il est trop beau. Du coup, il est déjà abîmé, donc ça donne vraiment envie d'en prendre encore plus soin. Il a été édité, ouais, c'est marqué dans les années, ouais, 1990. Donc j'étais pas née en fait. Oh. Donc il y a le petit livret qui va avec. Je pense que je vais vous faire pas mal de tirages avec. Ça va être sympa, je trouve, d'utiliser la botanique pour faire des tirages et en déduire des messages. Moi j'aime bien comme outil de développement personnel, je trouve ça pas mal. Et du coup, je pense que je vous ferai des tirages sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon Instagram. Donc je le mettrai de toute façon en dessous de la description. Et voilà.
Et alors normalement il y a 61 cartes. Alors et on va s'amuser à les compter. Et je vais vous les montrer comme ça. On va voir ensemble. Et il est bien complet. Je pense que je vais vous faire des petits tirages assez sympas avec ça. Aujourd'hui donc pour la suite, on est mardi, il est déjà presque 15h, en fait j'ai pas filmé ce matin, j'étais sur un projet trop bien, mais avant ça je voulais vous parler d'hier parce que en fait hier j'ai travaillé sur le nom ma formation. En fait je pensais passer à autre chose et non, en fait mon nom, je voulais vraiment terminer ça et le nom que j'avais trouvé était vraiment pas disponible, donc j'ai trouvé un nouveau nom et il s'appellera Artisan Academy. Donc ce sera le programme Artisan Academy qui vous aidera, si vous êtes créatrice, à développer votre visibilité et vendre vos créations en ligne. Donc voilà, donc je suis trop contente de ce nom. J'ai demandé un petit peu sur Instagram hier et il fait a priori l'unanimité. Donc je pense que je vais m'arrêter sur ce nom là, en plus il est disponible. Donc je suis trop contente. Donc je vais pouvoir avancer un petit peu sur ma formation, voilà, et aller un peu plus loin dans les étapes. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre dedans. C'est un sacré boulot, mais j'ai des idées assez claires, voilà, donc ça c'était trop chouette. Et ce matin, je travaillais en fait sur un autre projet qui est lié à ma marque de bijoux. Et en fait, j'ai contacté une artisane qui fait des bougies à la main, que je connais en fait de Montpellier, avec laquelle j'ai travaillé en fait quand j'étais dans mon atelier boutique pluriel. Je proposais ces bougies dans mon atelier boutique. Et en fait, elle est trop sympa. Et du coup, j'ai pensé à elle pour faire une collection pour Noël de bougies bijoux en édition vraiment limitée. Et voilà, et ça va être trop bien comme projet. Du coup, ce matin, on s'est appelé pour avancer sur ce projet-là. Je vous en dis pas plus. Voilà, on a un petit peu réfléchi à ce qu'on allait mettre dedans comme bijoux et puis comme senteur aussi pour Noël. Voilà, je pense que ça va être quand même très sympa. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous dévoilerai ça peut-être dans une autre vidéo, les coulisses de ce projet. On verra. Mais en tout cas j'ai trop hâte, franchement j'aime trop en fait faire des projets en collaboration comme ça avec d'autres artisans. Je trouve ça vraiment super stimulant, super chouette. Et puis bah le résultat que normalement ça va donner, ça va être vraiment canon. Donc voilà, donc ça c'était le projet de ce matin. Là cet après-midi, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais un petit peu avancer sur ma formation. Voilà. Ah si, cet après-midi, je voulais faire un truc aussi. Je pense que je vais le faire avec vous. En fait, j'ai retrouvé des carnets avec des illustrations que j'avais faites pendant mes voyages, notamment en Nouvelle-Zélande. Et en fait, pendant mon voyage, j'avais dessiné, alors c'était à l'aquarelle, des paysages, des choses comme ça. Et en fait, je les ai retrouvés l'autre jour et j'ai trop envie de les accrocher dans mon atelier. Donc, je vais vous montrer ça, je pense, et on va les accrocher.
J'ai aussi acheté ce carnet botanique qui est vraiment super beau. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites illustrations botaniques. Je pense que je vais les enlever du coup pour les mettre au mur. Parce que mon mur actuellement, il est fait de plein d'illustrations, mais pas forcément botaniques. Du coup, je me disais que j'allais peut-être remplacer ça par justement des illustrations complètement botaniques. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit mur vraiment inspiration nature. Je pense que ça va être sympa. Donc en fait, je suis en train de travailler sur mon compte Instagram Marion Guittier. Donc c'est mon compte Instagram en fait, plutôt, c'était à la base un compte personnel que je suis en train de transformer du coup pour qu'il puisse être le compte dédié à tout ce qui va toucher du coup à mon autre projet, donc de formation, de podcast et puis tous les conseils et voilà qu'on puisse discuter entre créatrices. Donc ça, c'est un petit aperçu de mon compte Instagram Elle Essence. Donc sur ce compte-là, en fait, j'y partage principalement les coulisses de la fabrication, les bijoux, un peu nature, des photos de plantes, etc. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, donc ce matin en fait je vais commencer déjà par envoyer les liens de suivi que j'avais pas fait hier du coup, parce que hier j'ai été poster les quelques commandes que j'avais eues à ma vente éphémère la semaine dernière. Donc oui, la vie d'artisane créatrice, il y a le suivi client qui en fait partie. Donc voilà, je vais envoyer les petits liens de suivi par mail. On va déjà commencer par faire ça. C'est pas mal de temps en fait, un peu administratif derrière l'écran, donc c'est pas très intéressant pour vous. Mais là en fait, je vais avoir un coup de téléphone pour gérer toute la refonte de mon identité, de mon logo et tout ça. Bref, plein de choses qui vont arriver pour cette fin d'année et c'est vraiment un grand pas de changer ma ligne graphique, mon logo et tout ça. Bref, j'ai trop hâte de le faire. Donc voilà, donc là j'attends un petit coup de fil et puis on va parler de tout ça. Je pense que ça va être vraiment très chouette et ça va vraiment marquer le début de quelque chose d'autre. Je trouve ça vraiment super, donc voilà, je vais partager ce petit moment. Allô ? Oui, salut, c'est Marion de l'essence. Ça va ? Je vous retrouve du coup, en fait j'ai pas mal bossé sur l'ordinateur aujourd'hui, donc c'était pas très intéressant, donc je venais pas forcément vous montrer. Et j'ai changé ma caméra, en fait là je filme avec mon téléphone, alors j'espère que ça rend bien, parce que j'ai reçu en fait des petits colis, aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop contente et du coup ça m'a bien motivée aujourd'hui de me dire, bon,
je fais l'administratif, mais après j'ai des petits colis qui m'attendent. En fait c'est une amie créatrice qui m'a envoyé une affiche voilà, pour mon nouvel atelier, puisque je l'ai connue à Montpellier et du coup comme j'ai déménagé, elle voulait m'offrir une affiche avec une ancienne collègue aussi, Toshiko. Ma copine Elsa, elle est illustratrice et toutes les deux en fait elles se sont mis d'accord pour m'offrir une affiche. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir aujourd'hui, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et en plus j'en ai profité pour acheter à Elsa un cadre avec une autre affiche. Voilà, donc je vais ouvrir et je vais vous montrer ça. Et en même temps, en fait, j'avais envie de créer, de commencer un carnet botanique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une lubie sur les crayons de couleur. Je vais ouvrir ça avec vous ce soir, c'est un petit moment sympa de ma journée. Je pense que c'était le moment le plus sympa à vous partager. Donc voilà, c'est parti. Oh oh. Alors ça, ça va être le calage. Oui, je dis oui. Oh, elle est trop belle l'affiche. Trop belle la petite carte. C'est trop beau. Voilà, bon, pour le moment je n'ai pas de quoi l'afficher, mais j'irai acheter ça bientôt et je l'afficherai dans mon atelier. Vous pourrez voir certainement des photos passées. Je vous mettrai en tout cas le lien vers sa boutique et son site en description. Je vais la remettre bien pour vous montrer quand même. Pour le moment ça glisse un peu, mais je vais essayer de mettre le petit point de boutaque en fait à la place des petits ronds pour que ça tienne. Mais en gros ça fait ça, j'espère que vous voyez, c'est trop beau, j'adore. En plus j'adore parce que le fait que ce soit dans un cadre comme ça, bah, ça fait qu'en fait ça met vachement en valeur la carte qui est au milieu, donc j'aime trop. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc ça c'était le travail de Elsa Illustration. Donc en fait, voilà la pochette. Voilà la pochette à quoi elle ressemble. Bon, ils sont comme ça. Bon, ça va rien vous donner trop, hein. Mais je vous montrerai ce que ça donne du coup si je fais mon carnet de botanique. En fait, j'ai acheté pour aller avec, enfin pour dessiner en fait tout simplement dessus un petit carnet. Format A6, j'avais envie de tester ce format là. Voilà, j'espère que ce petit moment créateur réception de colis vous a plu. Sur ce, je vous dis probablement à demain. Hello, alors je vous retrouve, on est jeudi. Aujourd'hui je vais travailler en fait sur une prochaine vidéo YouTube. En fait j'ai envie de vous donner des idées cadeaux, mais pour les personnes qui sont amoureuses de la nature, le plus éco-responsable possible. Donc je suis en train de travailler là-dessus pour rédiger un petit peu toutes mes idées, mettre au clair toutes mes idées, préparer un petit peu le script de la vidéo YouTube, ce que je vais vous dire, etc. avec des mots-clés pour pas être perdue au moment où je vais la filmer. Et puis je vais vous faire en fait, je pense, un guide. Donc l'idée ça va être, vous pourrez regarder la vidéo YouTube et puis si vous voulez toutes les adresses, les sites internet et tout ça, parce que je vais pas tout citer dans la vidéo, je trouve que sinon ça fait un peu beaucoup. Dans la vidéo je vous montrerai juste des inspirations avec des photos, mais ensuite si vous voulez avoir les sites internet, les liens et tout ça, je vous créerai un guide à télécharger, donc vous laissez votre mail et puis je vous l'envoie par mail. Dans le guide vous aurez toutes les idées que je reprends, donc il y en aura 17. Donc bien sûr il y aura des créations artisanales faites à la main, voilà, et puis d'autres choses aussi. Enfin voilà, j'ai 17 idées que j'ai notées, donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit truc sympa. Donc ça c'est ce sur quoi je vais bosser aujourd'hui, et du coup je vais faire ça en fait sur le logiciel Canva. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un logiciel hyper pratique quand vous voulez créer des guides, des PDF, des cartes de visite, des flyers, même des posts Instagram ou même des reels Instagram maintenant. Bah ça donne des templates gratuits, donc c'est super efficace, super simple et c'est vraiment un beau rendu assez, voilà, assez beau. Voilà, donc là je suis en train de faire mon guide, donc voilà, j'ai repris voilà, une idée, un template gratuit que je vais modifier. Et puis là je suis en train de commencer à écrire du coup mes petites idées, donc il y aura plusieurs pages. Donc j'ai pris un template, voilà, et puis je vais les remplir. Thank you.
Ok, alors du coup j'ai fini le guide et j'ai fait cette petite page en fait d'inscription pour recevoir donc le guide, donc il ressemble à ça. Voilà, donc en fait il faut mettre son adresse mail, rentrer et faire ok. Et puis après en fait on reçoit un mail avec un lien pour le télécharger. On est vendredi, voilà, la semaine se termine, vous avez pu me suivre dans mes différentes activités, voilà, il s'est passé pas mal de choses, mais j'ai envie de dire, il se passe toujours plein de choses dans mes semaines qui sont bien bien occupées, donc voilà, vous avez pu voir un petit peu de fabrication, la formation que je mène en parallèle pour vous proposer, du coup, si vous êtes créatrice, une formation pour vous aider. Voilà, je suis coach en marketing digital et pour entrepreneurs en ce moment. Je pense que cette activité s'arrêtera du coup quand j'aurai bien développé ma propre formation. Voilà, et puis bah ouais, plein de projets en cours pour ma marque de bijoux. Plein de nouveautés à venir pour septembre, donc je vais vous filmer d'ailleurs des vidéos. Donc il y a d'ailleurs la vidéo sur les idées cadeaux qui sortira bientôt, mais aussi une autre vidéo pour vous montrer comment je dessine, du dessin jusqu'à la fabrication de nouveaux bijoux. Voilà, un petit peu de tout ça, donc plein de choses sortiront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Sinon, de toute façon, je vous dis à très vite pour un prochain studio vlog. Et puis je vous laisse parce que je vais aller monter cette vidéo aujourd'hui. C'est ça, ma to-do de la journée. Allez, je vous dis à très vite, salut !